Et bienvenue à tous les amis sur ce simulateur d'ailes dans Roblox. Un jeu dans lequel nous allons devoir bien évidemment améliorer nos petits engins de vol afin de monter extrêmement haut. Car oui, car je pense qu'avec ces premières ailes, on va pas pouvoir aller très loin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une première île à aller chercher juste au-dessus. Donc on va immédiatement tenter d'y aller. Mais ah, je saute pas très haut pour l'instant. Non, je crois que ça va pas être possible. Donc du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est faire un maximum de clics comme ça, histoire d'avoir des plumes apparemment qu'on va pouvoir directement vendre ici, afin de gagner de l'argent et d'acheter déjà de nouvelles ailes. Alors je sais pas combien coûtent les deuxièmes, celle du perroquet, 175, donc on n'a pas assez. Mais les amis, vous pouvez compter sur moi pour avoir les meilleures ailes du jeu. Donc allez, on va monter à 175, voilà, on est déjà aux ailes de perroquet. En espérant qu'elles nous permettent d'aller extrêmement haut. Mais j'en suis pas si sûr. Alors, ah non, d'accord, on va gagner x2 plumes maintenant à chaque fois que nous allons cliquer. En tout cas, elles sont sacrément stylées, ce ne sont que les deuxièmes ailes du jeu. Ah ouais, maintenant on est à plus 4, ok. Le problème, c'est que là, j'ai pas beaucoup d'espace dans mon inventaire, ce qui fait que je suis obligé d'aller vendre des plumes tout le temps. Donc du coup, il va falloir améliorer ça. Alors comment on va faire? Parce que j'ai vu qu'on avait la possibilité d'avoir plus de sauts, d'avoir le triple saut notamment, parce que pour l'instant, on peut sauter que 2 fois. Et là, alors combien il coûte? 75 aussi. Ah non, c'est pas celui-là. C'est 250 pour avoir le plus un saut. Ah, et c'est le halo au-dessus de notre tête qui va nous permettre d'avoir plus de plumes sur nous. Donc allez, vite, on va vendre ça. Et on peut donc acheter le deuxième halo, hop là. Ah oui, parce que notre île était cassée, j'ai vu qu'il y avait un trou au-dessus. Bon, parfait, on peut maintenant monter à 40, mais là, surtout, il va falloir... Non, 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 j'allais dire tenter d'aller plus haut, mais non, on va essayer de débloquer un nouveau saut et après, on va y aller. Alors vite, il nous faut les 250 pièces. Et les amis, la vidéo commence officiellement, nous allons pouvoir monter à la première île, j'imagine. Donc là, on a un pourcentage juste là-dessus qui signale, à mon avis... Ah, attendez, oui, c'est bon, j'ai le triple saut qui signale le pourcentage de... Yep. De progression jusqu'à la prochaine île. Et pas jusqu'en haut, parce que jusqu'en haut, c'est beaucoup plus que ça, je pense. Parce que regardez, on est déjà à 25% ici. Alors qu'on vient juste à peine de monter 2-3 rochers, en tout cas. On va pouvoir sûrement avoir un petit bonus en arrivant à plat à la prochaine. Alors, est-ce que je peux aller choper ce caillou? Non, par contre... Ok, on va se save ici. Alors apparemment, on a une petite flèche qui nous indique qu'on peut passer par là. Ok, on va tenter le petit anneau en espérant qu'on... Oh, ça nous donne plus de pièces. Ok, parfait. Alors par contre, on va éviter de rester en dessous parce que ça va être compliqué d'y monter. Donc, on va aller se mettre sur ce rocher-là, si on ne tourne pas. Et alors, comment on fait maintenant? Ok, il faut aller jusqu'à là-bas pour pouvoir prendre un petit peu de hauteur, mais très peu. Donc là, on est à 60%. Yeah, yeah. Oula, oula, oula. C'est bon, ça passe. Est-ce que je peux tenter directement? Non. On va passer de ce côté-là. Je pense que c'est le meilleur moyen. Et les amis, on va pouvoir atteindre notre première île. Celle de... du couteau. C'est... celle du couteau. Alors, je peux prendre des pièces ou pas? Oh, plus 10 pièces, ah oui, ça vaut le coup. Alors évidemment, il faut que je continue, moi, à cliquer en l'air, histoire de gagner encore plus de plumes. Mais le... Oh là, attends. Quoi? Quoi? Ça va le faire? Non! Quel échec! Oh! C'est pas vrai. Bon, pour nous consoler, on a un petit coffre, là. Qui m'a permis d'avoir quoi? Oh, pas mal de pièces. Donc on a plus de 500 pièces, on va pouvoir directement... Ah non, il me manquait très peu pour avoir... Alors est-ce que j'ai quand même débloqué? Oui, je l'ai quand même débloqué en fait, vu que je l'ai atteint. Et hop là, on peut y aller. C'est bon, let's go. Alors là, gros avantage, c'est qu'on va pouvoir vendre beaucoup plus cher nos pièces, donc on en profite. En tout cas, est-ce qu'il y a un petit truc à trouver sur l'île? Un petit bonus ou, je sais pas, des pièces supplémentaires? Bah non, il y a juste des petites pièces, hein. Il y a rien, il y a pas des pièces en diamant. Alors là, le problème, c'est qu'on va être obligé de redescendre pour pouvoir aller chercher le... la suite, les nouvelles ailes. Oh là, c'est tellement haut après. Bon, allez. On va chercher le double saut, enfin un saut en plus, je pense. 840, c'est à 500. Ça coûte 500, attention. C'est ça. Ah non, c'est 1500, 2000 même. Ok, on va prendre celui-là plutôt. Hop là. Voilà, une nouvelle aile incroyable. Alors les amis, j'ai pris la possibilité d'avoir des plumes illimitées. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller les revendre. Et c'est parfait pour la suite. On va pouvoir se mettre tellement bien. Enfin, on a besoin d'aller les revendre. Mais surtout, on n'a pas besoin d'y aller toutes les 2 secondes. Allez, go. C'est parti. Est-ce qu'on a la possibilité de monter un peu plus haut là? Oh, attendez, non, non, ça va pas du tout. Hein. Ces ailes ne suffiront pas. J'ai pas assez de saut. Oh là là. Et on va essayer d'aller... Ah, il faut commencer sur le couteau là-bas. Peut-être que... Peut-être qu'il y a possibilité, mais... Malheureusement, oula, va vraiment falloir gérer. On n'aura pas le choix dans le choix du nuage. Il faudra juste aller au suivant. Là, on pourra pas en zapper plusieurs. Yep, là. Ok, ça va le faire. Bon, par contre, si je monte pour rien, à un moment, si on se retrouve bloqué, ce sera bête. Hein. J'ai vraiment que 2 sauts. Hein. Oh non, c'est pas assez. Attends, c'était vraiment celui-là? Ouais, c'était ce nuage. Ok, je suis vraiment pas assez puissant, donc il faut qu'on vende tout ça. Alors, me voici maintenant à 4000 pièces. On va voir ce qu'on peut acheter. Oh, j'ai la possibilité directement d'avoir ces ailes-là, mais surtout d'acheter enfin... les x3 sauts, ok. Et là, les amis, on va pouvoir monter sûrement à l'île des nuages. En tout cas, c'est mon objectif. À mon avis, c'est un saut à chaque fois pour, qui nous permet d'accéder au truc. C'est-à-dire que là, j'ai gagné un saut. Donc, normalement, je peux accéder à la prochaine île. À la prochaine île. Et après, il faudra racheter un saut pour pouvoir avoir la suivante. En tout cas, j'espère. Allez, c'est parti. On va voir si taper ces nuages. Franchement, c'est limite parce que... Ah non, ça va, il me restait un saut, là. Hop, hop, hop. Oh, mais attendez, mais c'est... Mais non, mais non.
Je vais pas l'avoir. Il me faut un saut de plus encore. Ok. Alors hop, je mets là-dessus, je vais tout vendre et on va gagner. Waouh, on est à 2500. Ouais, du coup, on va être obligé d'encore améliorer mes ailes comme ça. Et là, les amis, on gagne plus 14 à chaque clic. Et il nous faut 11 000 pour avoir un saut supplémentaire. Bon, on va attendre les 11 000 pièces et puis on va battre notre record de hauteur. En tout cas, ces ailes sont hyper classe. Alors, je vais vendre ici, ça m'évite de remonter, même si franchement, ça rapporte pas grand-chose là. Allez, c'est bon, j'ai assez, on achète un saut supplémentaire. Et là, c'est du sérieux, moi, je vous le dis. Alors, par contre, est-ce que ça me permet d'avoir plus... plus 150... Ah, attends, ça peut être intéressant de les acheter, je crois. Plus 100... Ah non, ça me permet juste d'avoir plus d'espace, mais c'est tout, hein. Je sais pas si ça vaut le coup de les acheter. Je pense que c'est juste de la déco. Alors, je vais quand même les acheter. Le fantôme. Oh, il va être trop stylé, celui-là. On va le prendre. Bon, j'ai toujours illimité. C'est ça le plus important. Et on y va. Île des ruines. Et alors là. Alors là, cette fois-ci. Les nuages ne me résisteront pas. Bon, est-ce qu'il y avait un autre passage? Au pire, c'était peut-être celui-là. Hein. C'était peut-être celui. Oh, attendez, mais je peux directement accéder à celui-là. Ah, voilà. On va pouvoir, cette fois-ci, passer aux choses sérieuses. Regardez, on peut directement monter à plusieurs nuages, j'imagine. Il y en a pas beaucoup, hein, mais. Ouf. Ok, on va tenter celui-là, mais ça va être un peu limite. Mais ça va le faire. Ok, on continue à cliquer, évidemment. Il ne faut jamais s'arrêter. On va tenter d'aller sur le gros nuage là-bas. Oula. Oh, c'est bon, largement, ça passe. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non, c'est une flèche. Ok, on va, à mon avis, trouver un petit bonus ici. Alors, c'est juste des plus 10 pièces. Ah, c'est pas assez. C'est pas assez. Donnez-moi plus. Alors, la prochaine... Ah, on est déjà à 58%. La prochaine, il est là. Alors là, le problème, c'est que je crois qu'on va pas pouvoir monter. Les nuages sont trop hauts, il faut qu'on rejoigne un autre nuage un peu plus bas. Celui-là. Oh, j'ai perdu tellement de pourcentage. Allez, go. C'est parti, on va aller de ce côté-là. C'est ici qu'il faut aller. Tac. Alors là, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment continuer à cliquer, mais indéfiniment. C'est-à-dire que quand je vais pouvoir arriver là-haut et que je vais vendre tout ça, eh ben les amis, on va se mettre bien. Surtout que le multiplicateur sera encore plus intéressant. Alors, il faut aller où là? Il faut aller sur celui-là, je pense. Ah, c'est dommage, j'ai pas réussi à passer dans les anneaux. Enfin, j'ai. Oh, attendez, les amis, je suis hyper loin là. Je suis pas sûr de l'atteindre, hein. À mon avis, il faut faire le tour, hein. Je vais le tenter, hein. Mais c'est pas le moment de tomber, hein. Hop là, allez. Ouais, non, c'est bon, ça passe, parfait. Ok, est-ce qu'on peut aller dire... Non, on va aller là, et après, on peut aller directement dessus. Parfait. La nouvelle île est débloquée, et ici, quand on va vendre... Ah, on peut pas vendre là, apparemment. Ok, donc pour l'instant, on doit tout vendre sur l'île des ruines, mais on va quand même tenter voir, éventuellement, si on peut pas avoir pas mal de pièces. Ok, on a eu 1000 pièces, je crois. Parfait. Alors, on va monter un petit peu. Il y a peut-être une zone de vente hein, sur un autre nuage. J'aimerais bien. Un petit coup 1,4 là pour vendre encore plus cher. Pour arnaquer les gens tout là-haut. Non, on peut pas. Bon, pas de problème. Est-ce qu'on se tenterait pas la prochaine île? Je pense que ça va être compliqué. Il faut passer par là-bas apparemment. Mais 4 sauts, malheureusement, ça va être très difficile. Voilà, c'est simple. Il y a qu'un seul nuage qui est accessible. C'est celui-là. Donc, il faut le réussir, sinon c'est mort. Oh, et ben si déjà le premier nuage il passe difficilement, je sais pas comment on va faire par la suite. Hein. Quoique, bon, ok. On est à 20% déjà. Franchement, ça va super vite. Yep. Ah, c'est, j'ai fait 150 sauts. J'ai fait que 150 sauts depuis le début. Hop là, on valide. Alors là, le prochain nuage, il est inaccessible, c'est pas possible. C'est, attendez, c'est lequel? C'est celui-là? Ah, celui-là. 2, 3, 4. Oh, wow, ok, 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 ça va, ça va. Ça va le faire. Là. Alors là, on va tenter celui-là directement. Ça va. Là, il y a un peu plus de nuages, ça fait plaisir. Ça nous met bien. Yep, yep. J'espère qu'à la. Oula, 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 oula. J'espère qu'à la prochaine île, on peut vendre. J'espère qu'on peut vendre parce que là. Yep. Bon, le problème, c'est que je pourrais pas acheter les ailes, donc ça sert à rien de vendre en fait, au final. Non, là, je l'aurai pas. Il faut que je parte de celui-là, je pense. On va se mettre sur l'arbre histoire de gagner un peu de hauteur. Allez, c'est parti. 1, 2. Ah oui, c'est bon, large, large, large. Parfait. Ok, prochaine étape. On est déjà à 60%. On va tenter ce nuage-là. Ça va le faire. Ça va le faire. Oui, largement. Ok. Boum. Le suivant. Et les amis, on va pouvoir confirmer. Ok, je pensais pas réussir directement cette île-là. Là, mais hop, il faut monter sur le petit ours. Ensuite, on va aller là. Encore un saut. Est-ce que je peux tenter directement l'île? C'est chaud. Ah oui, mais je peux aller sur ce nuage-là. Parfait. L'île arc-en-ciel est atteinte. Et alors, qu'est-ce qu'on gagne? Ah, la possibilité de vendre ou pas? Non, on a un coffre encore qui va nous permettre sûrement de gagner beaucoup d'argent. Je l'espère. Au moins 5000. Au moins 5000 pièces, ça nous mettrait trop bien pour la suite. Ah, 3000 pièces. Ok, c'est pas mal. Bon, j'hésite à monter encore pour aller vendre, mais oh, il y a encore plus de pièces maintenant. Ça vaut le coup de les prendre. Hein. 36, c'est pas trop mal. Bon. Est-ce que je tente la prochaine zone, les amis? En fait, c'est surtout que là, j'ai envie de vendre pour avoir un saut supplémentaire. Parce qu'à mon avis, je dois avoir assez d'argent, je pense, quand je vais vendre tout ça. Mais et si on peut vendre un peu plus cher là-haut, franchement, go là-haut. Je sais pas trop. Allez, on le tente, on le tente. En tout cas, les nuages sont trop stylés.
C'est parti, Nation. Bon déjà, ah ouais non mais je peux pas. Hein. Oh, c'est pas possible, hein. Je peux pas y aller. Bon, on est obligé d'avoir un saut supplémentaire. On va tenter vraiment de se mettre au bord comme ça et de sauter vers le Nation, mais c'est pas possible. Ok, on va essayer de retomber sur l'île. C'est celle-là là où on peut vendre. Comme ça, on se met bien. Et les amis, on va débloquer un saut supplémentaire. Ce jeu est tellement classe. Hop là, parfait. Alors, pas dans le téléporteur. On y va, on va vendre tout ça. Il y a du monde ici quand même. Tout le monde est bloqué là. Boum. Wow, 17 500. Je pense que j'ai pas assez pour acheter les un nouveau saut. Malheureusement, c'est 24 000. C'est énorme. Par contre, on peut acheter clairement des belles ailes de corbeau, mais aussi la possibilité d'avoir une grande chouette. Ok, rien qu'il avait tout à l'heure. Ah ouais, c'est ça, la chouette de Harry Potter, elle est incroyable. Donc là, plus 26, c'est pas énormément plus, mais bon, on prend tant que c'est plus. Quoi? J'ai pas débloqué l'île des nuages, comment ça? Oh non, c'est pas vrai. Alors j'ai également la possibilité d'acheter le halo de foudre qui est tellement classe. Boum. Même si franchement, je ferais mieux de garder mon argent pour acheter des ailes, mais bon. Il est stylé, on va pas dire non. Allez, c'est parti, on débloque le x5 saut. Le prochain sera 60 000. Et là, les amis, on va tenter, en partant du bas, voir si, à quel point on peut monter. Et j'ai aussi la possibilité d'avoir les ailes royales. Oh là 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 là. Oh, elles sont trop classe. Ok, on fait plus 32 par clic et c'est parti. Donc là, avec un x5, on a vraiment la possibilité de monter en peu de sauts, finalement. Hop, en peu d'essais, on va dire. Parce que les sauts, ce sera pareil. Alors, est-ce que je peux monter directement, là? 3, 4... Yep, là, non, c'est pas possible. Ok, je crois que j'ai été un peu gourmand. Allez, là, on devrait y arriver, largement même. On continue à cliquer, évidemment, avec le plus 32, là, par clic, franchement, c'est pas trop mal. Alors là, j'ai pas besoin de m'embêter, je pense que je peux passer directement. Oula, 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 oula. C'était limite. Est-ce que je peux aller sur celui-là? Oui. Parfait. Ah oui, parce qu'en fait, je peux plus... comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai pas pu me... J'ai pas validé apparemment la deuxième île, ce qui fait que... Hop là! J'ai pas le téléporteur, donc on va être obligé de remonter à la deuxième île. Voilà. Ok, on est ici. Ah, mais celle-là, non, mais celle-là, on l'avait déjà. Juste, comment on la valide? Ok, nous voilà de retour sur l'île arc-en-ciel. Je ne sais pas comment la valider. Bon, on va voir ça. On va essayer au moins d'aller sur la suivante éventuellement, mais malheureusement, là, c'est hyper dur. Est-ce que je peux prendre les ballons? Est-ce que si je vais sur les ballons, ça va monter un petit peu comme un ascenseur? Peut-être, les amis, on va essayer ça. Yep, on y va. Alors, est-ce que je vais passer au travers? Oui, ça. Oh, ça me monte ou pas? Non, ça me monte pas. Oh, c'est pas vrai. Bon, bah, allez, on va aller sur le petit nuage jaune juste là. Ça, ça va être possible. Sans trop de problèmes. Quoique. Oh, quoi, j'ai pas assez. Si, c'est bon. Wouh! Oh, c'était juste, hein. Là, c'était très, très, très juste. Ok. Il faut vraiment sauter au dernier moment sur les nuages parce que. Et juste à chaque fois, le nuage de diamants. On y est. Alors, est-ce que c'est un anneau, ça? Ça me donne des pièces ou pas? Ah non, c'est juste un arc-en-ciel de déco. Ok. Alors, là, on n'a pas trop le choix. Je pense qu'il faut aller sur les ballons. Ils me paraissent pas trop loin. Ça va le faire, je pense. Mais vivement que j'ai un saut supplémentaire parce que là, il m'en manque un quand même. Hein. Mais bon, ça devrait le faire, les amis. Hop là. Ah, ça va, on va y arriver. Je pense, hein. Je pense qu'on devrait y arriver. Regardez, ça se passe mieux, là, maintenant. Bon, il faut monter où, maintenant? Faut aller sur le violet, là? Ah non, sur le petit, là, qui est là. Ok, ça va, ça va le faire. Voilà. Maintenant, il faut aller sur le violet. Encore? Non, le violet est beaucoup trop haut. Faut aller où? Faut aller en face, sur le rouge, là? Oh, attendez, mais ça passera jamais, là. Oh, mais non, il est trop loin. C'est impossible. Mais attendez, faut aller où, là, sur le violet? On n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix. 1, 2, 3. Mais non, c'est impossible. C'est pas ça. Bon, où est-ce qu'il faut? What? Il faut aller sur le... Mais je comprends pas, là. Ah, si, le petit vert qui est là, là. Mais je suis pas sûr de l'avoir, hein. Oh, ok, c'est bon. Bon, est-ce que je peux aller sur le violet maintenant? Je pense que c'est pas utile parce qu'il a l'air d'être un peu sur le côté tout seul. Est-ce qu'il faut aller sur le rouge maintenant? Il faut faire le bon choix. Là, le rouge, s'il y a moyen, ça va le faire, je crois. Oh, ouf, non, ça va pas le faire. On va passer à côté. Il faut que je me rattrape. Ok. Oh non, j'ai perdu tellement de hauteur, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va les vendre. On va aller débloquer un nouveau saut parce que... Là, ça va pas le faire sinon. Peut-être qu'on est obligé d'avoir le 6ème saut. Ce qui est sûr, c'est que là, j'ai 30 000 plumes à vendre. Donc, autant vous dire que là, on est blindé. 78 000 coins. Et c'est parti pour le x6 saut. C'est oufissime. Alors, les amis, en remontant, les îles se sont débloquées. Je sais pas pourquoi elles se sont pas débloquées tout à l'heure. Ce qui veut dire que là, si jamais je tombe, au moins, je peux revenir juste en dessous, là, sur l'île arc-en-ciel. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais nous, on veut l'île suivante. Alors, par où? Voilà. Oula, attendez. Hop, on va se mettre vraiment au bout parce que c'est très limite. Sur le nuage vert, là, il... Ça va le faire, oui, ça va le faire. C'est bon, largement. Il me reste même un saut. Donc,
pour la suite, on va se mettre sur l'arc-en-ciel quand même, histoire de gagner un peu de hauteur. Et on va aller sur celui-là, là. Oh, non, je l'aurai jamais. What? Non, je l'aurai pas. Ok, on revient en arrière. Non, c'est pas vrai, je le rate. Non! Heureusement, j'ai la possibilité de me téléporter maintenant. Ah, ce jeu n'est pas simple du tout. Mais ça y est, on peut enfin se téléporter, ça sera quand même bien plus pratique. Et c'est reparti. Attendez, avant de remonter, on va juste acheter éventuellement de nouvelles selles. Je pense qu'avec 38 000, j'ai la possibilité de prendre les Artemis. Parfait. Et est-ce qu'on peut passer même au Mystique? Oh, trop bien. Et pour 18 000 seulement, on va pouvoir passer à Arc-en-Ciel. Ok, les amis, on va essayer d'avoir les meilleures ailes du jeu, histoire de comme ça, on va pouvoir faire des clics qui rapportent pas mal de plumes et on va pouvoir rapidement avoir le maximum de sauts possible du jeu. Alors voyons voir à quoi elles ressemblent. Ah ouais, elles sont dingues, mais celles qui arrivent juste après, elles vont être encore plus folles. Et après les dernières, je sais pas à quoi elles ressemblent. Allons pour les avant-dernières, les arc-en-ciel. Ah non, il manque un peu. Vous voyez que j'avais assez moi. Alors hop, on vend ça et c'est bon, j'ai assez. Go les acheter. Hop là. Et c'est le phénix. Oh, ok, il nous les faut. Waouh. Mais il y en a 4. Ah oui, il y en a 2 petites au milieu là. Oh, elles sont incroyables. Mais celles du phénix vont vraiment être encore plus folles. Après, ça ne me donne pas énormément de plumes en plus. Mais bon, écoutez, on prend. Et ça y est, j'ai assez. Hop, on prend les phénix. Et là, les amis, on est équipés. Oh, oh là, elles me vont tellement bien. Elles me vont tellement bien. On est équipés pour faire un maximum de clics et surtout monter encore plus haut, gagner plus d'argent pour avoir plus de sauts. Donc allez, on se téléporte. Ouais, c'est ma dernière tentative avec seulement 6 sauts. Et si jamais je n'y arrive pas, je vais attendre, battre des ailes très très longtemps afin d'avoir assez d'argent pour acheter tous les sauts du jeu. Et une fois qu'on aura tous les sauts du jeu, là, aucun nuage ne pourra me résister. C'est parti, on y va, sur le vert. Mais allez, il y a moyen qu'on y arrive. Surtout que j'espère pouvoir vendre mes trucs là-haut avec un x2 ou un truc comme ça. Oula, on va monter là-dessus comme tout à l'heure. Alors, on a dit... mais tout à l'heure, oh, on va tenter le violet là. Non, mais à mon avis, il vaut mieux se mettre là. Il est loin. Non, il est pas loin. Je sais pas. Je sais pas. On le tente. Oh, non. Je sais pas. Peut-être. Oh, non, c'est pas vrai. Oh, allez, on save là. Ok, ça va. On a eu le violet, mais pas le bon. Bon, c'est peut-être pas ce chemin là qu'il faut prendre. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller où alors? Est-ce qu'il faut aller sur les ballons? Alors attendez, parce que là j'ai sauté un peu tôt. Je sais pas si c'est bon. Ça va large passer. Où est-ce qu'il faut aller alors? Où est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'il faut que je tente le rouge là-bas? Ah ouais, peut-être. Hein. En fait, on est haut, donc on a moyen d'y arriver. Est-ce que je pourrais atteindre celui-là alors? Ah non, il est beaucoup trop haut. Hein. Oh là là, attention quand même. Bon, bah écoutez les amis, je sais pas où il faut aller. Hein. Il faut réussir le violet, c'est pas ça en fait. Je vais tenter le rouge. Je vais tenter le rouge de toute façon. Hop, au pire. Non mais impossible, impossible. Ok, bon. Il nous faut 7 sauts. Il nous faut 7 ou 8 sauts là, je pense. Bon, on va retenter le violet, mais malheureusement, ce sera pas possible, hein. Hop, hop, hop. Et non, c'est pas possible. Ok, bon, bah au moins, on retombe là-dessus, même si de toute façon, faut que je redescende tout en bas. Alors, à la limite, je vais essayer un autre passage. On va essayer de vraiment aller sur ce... Ah non, je peux aller sur le violet direct, peut-être, là. Ah, 1, 2, 3, 4, 5... Et non, c'est pas possible. Bon, il faut qu'on achète des sauts, les amis. Pas le choix. Allez, on va vendre ça sur l'île des ruines. J'en ai 30 000 encore, donc franchement, on va se mettre très très bien. 78 000. Alors, c'était 60 000 tout à l'heure pour avoir un saut supplémentaire. C'était peut-être celui d'avant. Est-ce que je l'ai acheté ou pas, celui à 60 000? J'espère que non. Hop là, c'est parti. 78 000. Ah, c'est presque ce que j'ai. Ok, j'en fais quelques-uns, ce sera bon. Mais franchement, je pense aller directement acheter les autres sauts. Ça m'évitera de remonter et d'être frustré parce que je tombe. Donc c'est parti, on va attendre les 142 000, c'est énorme. Donc là, il va falloir battre pas mal d'ailes. Donc les amis, moi, je vous retrouve dans 2 heures. Et ça y est, les amis, les choses sérieuses commencent. On a enfin assez pour les 9 sauts. Et là, plus aucune excuse. On doit pouvoir monter jusqu'en haut. Donc c'est parti, les amis, je veux un maximum de soutien dans les commentaires. On y va. Bon, on commence en descendant, c'est pas logique. On prend le téléporteur et là, plus rien ne peut nous arriver direction l'île cosmique. C'est parti. Alors là, je peux rusher. Je peux rusher, je peux faire le fou. Bon, peut-être pas trop non plus. Avec 9 sauts. Et on avait combien? On avait 6 juste avant. Ouais, c'est que 3 supplémentaires. Donc déjà, hop, tâchons de prendre ce petit nuage. C'était limite déjà, c'était limite déjà. J'ai voulu tenter directement le bleu là, mais je l'aurais pas eu. Et ouais, c'est pas énorme, hein. C'est pas saut illimité non plus, hein. Ça reste compliqué, mais on va y arriver. Alors, hop là. Donc, on a dit, il va falloir maintenant essayer. C'est à quel endroit que je galérais? C'était là, c'était sur le... Non, c'était celui qui est là-bas, je crois. Ah, le vert tout là-haut, ok. Il faut monter là-dessus, ça va pas être compliqué. On va, hop, passer là. Est-ce que je peux directement accéder... non, ils sont tous loin. Je vais prendre celui-là. Ah oui, là, largement. Est-ce que je peux accéder au violet, là, déjà? Hop, hop. Non, non, il est beaucoup trop haut. Ah, comme quoi, vraiment, 9 sauts, c'est pas incroyable. Hein.
Allez, go. On va voir ça, comme tout à l'heure. Ça, c'est pas un problème. Parfait. Alors là, on va aller sur le vert. Hein. Je vois pas d'autre solution. Et après, il faut réussir à aller sur celui qui est au-dessus de ma tête, normalement. Là, je crois que c'est celui qu'on n'arrivait pas à voir. Le petit violet. Ah oui, c'est un petit violet, je crois. On va aller voir ça. Allez, c'est parti. Youh ! Ça va être compliqué, hein. Mais il m'a fallu quand même, je sais pas, 25 minutes de farm à juste battre des ailes, les amis, quand même, pour avoir assez d'argent pour avoir les 9 sauts. Allez, de retour, là où on s'est arrêté tout à l'heure, on va même pouvoir peut-être tenter celui-là. Non, c'est pas possible. On va devoir aller sur le violet. Ok, bon, on refait, puisque... Hop là, je suis mal parti, et on y va. On veut le violet. Tac, 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 et là, ça va le faire. Là, ça va le faire, les amis. Regardez largement, il me reste même 2 sauts, et il nous en manquait qu'un seul tout à l'heure. Est-ce qu'on tente celui-là? Bien sûr qu'on tente celui-là. Tac, tac, ça va le faire. C'est loin quand même, hein? Non, ça va le faire, ça va le faire. C'est bon, on y est. Alors, est-ce qu'il faut aller sur les ballons? Je pense pas. Est-ce qu'il faut aller sur le rouge? Non, jamais de la vie. Ah, si, il faut aller sur les ballons, je pense, pour aller rejoindre le petit blanc là-bas. Je crois que c'est ça, hein. Je suis pas sûr à 100%. Bon, allez, on est à 85%, là. Il faut absolument débloquer le téléporteur, histoire de valider la zone. Alors, il est où? Oh, non, mais il est trop haut. Oh, quoi? Il faut aller où? Sur le... Le orange, je ne pourrai jamais l'avoir. Le blanc, est-ce que au moins j'arrive à... Ah oui, largement. Oh, yes. J'ai pas atteint l'île, mais j'ai quand même réussi à débloquer le téléporteur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tac. Comme ça, si jamais on tombe. Mais on ne tombera pas. Ok, bon, donc on va aller voir un peu ce qu'il y a dessus. Me dites pas qu'il y a une zone pour vendre. S'il y a une zone pour vendre. Oh non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pu... Il aurait juste fallu arriver là pour pouvoir vendre... plus cher les plumes, je pense, parce qu'à mon avis, le multiplicateur doit être pas mal, là. Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on a... Oh, est-ce qu'on a des nouvelles améliorations ou c'est les mêmes qu'en bas? Oh, mais non! On a de nouvelles améliorations, les amis! Alors, attendez, faut 1,5. Oh, mais c'est trop bien! Waouh, de nouvelles ailes, etc. Ok, alors là... Ah non, on peut pas avoir plus de sauts, hein. On a juste des nouvelles ailes. Ah, du coup, ça va être juste de la déco, donc c'est pas hyper important pour l'instant, vu qu'on a assez d'argent. Bref, on y va. C'est parti. On m'en achètera évidemment tout à l'heure de nouvelles ailes. Il faut continuer à cliquer alors. Et nous, les amis, on y va. Tac, 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 tac. Ok, parfait. Waouh, on a des coffres entiers maintenant. Oula, attendez, parce que je me lance sans regarder. Mais c'est un peu le bazar. En vrai, on a plusieurs choix. On pourrait en rejoindre plusieurs en 9 sauts. Donc ça va. On est à 27% d'atteindre la prochaine île. Ça va aller très très vite là. Oh, oh, oula, j'ai peut-être pris un risque. Non, c'est bon, tranquille. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ok, il y a une flèche qui nous indique qu'il faut monter sur la droite, apparemment. Il faudrait monter sur... bah, sur celui-là, bien évidemment. Je l'ai pas, là. Oh, si je l'ai. Waouh, ok. Je sous-estime encore un peu les 9 sauts, hein. Allez, on y va. On est à 50% de cette île, hein. C'est pas mal. Tac, on se met là et on y va. Allez, les amis, là, je ne retombe plus jamais. Je vais réussir à monter jusqu'à l'île cosmique. Est-ce qu'on tente le jeune? Oui, large, 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 large. On tente le jeune, on va monter maintenant sur des nuages un peu bizarres, là, qui ont une teinte de jeune. Parce que, est-ce que ça serait la nouvelle zone? Oh, c'est la zone du paradis. Et ça? Je sais pas. Alors, on tente lequel, là? Ceux qui sont devant? Allez, on tente celui-là. Ah oui, celui-là. Oh, il est loin. Il est loin. Non, non. Si, ça va le faire. Ça va le faire. Ok, ok, ok. Bon, bah là, il faut se concentrer, là. Yep. On va aller là-dessus, je pense que c'est bon, large. Ok, parfait. Je vais arrêter de cliquer un peu pour me concentrer. On va arriver sur les planètes. Ah, il faut réussir à monter sur l'arc-en-ciel en nuage là-bas. Ah oui, sûrement. Hein. On n'a pas le choix là. Donc alors, on va tenter d'aller... Oh bah j'aurais pu aller sur les deux. Par contre, ils sont loin après. Hein. Faut gérer. Hein. Mais ça va, on monte tellement haut maintenant. Allez, go. C'est parti. C'est parti. Boum, 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 boum. Oula, mais c'est limite. Hein. Ça va le faire. Je vais même pouvoir aller... Oh, je vais même aller sur ce jeune là. Allez, let's go. Je l'ai pas, je l'ai pas. Wow. Okay. Tac, 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 tac. Et on va arrêter de prendre des risques. On va valider. Tac, tac, tac. Voilà, je vais cliquer plus rapidement parce qu'ils sont assez rapprochés. Donc j'ai la possibilité de monter vite. Hop, on attend d'avoir les sauts. Tac, 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 tac. Parfait. Changement d'ambiance. Changement d'ambiance. Alors on va où là? On va sur lequel là, en fait là? Je suis censé aller où? Ah, sur le petit jeune qui est là-bas là? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Mais attendez, il est vraiment... il est vraiment loin. Ça va le faire. Normalement, ça va le faire. Au pire, je peux me téléporter, car comme vous l'avez vu, j'ai découvert une nouvelle... c'est plus trop des zones, là. C'est plus trop des îles. On va plutôt appeler ça une planète. Yep, là. Alors, la lune, elle nous suit. C'est bon, elle est tout en haut, là. Ah, elle va redescendre un peu. Hop là.
Allez go! Qu'est-ce qu'on a? La possibilité de vendre pour x1,7, pas mal du tout. On vend le peu que j'ai. J'ai 30 000 de plus, ok. On va pouvoir maintenant viser la lune. Alors, oh, attendez, est-ce que j'ai pas la possibilité d'aller me poser? Ah non, elles sont beaucoup trop hautes. Alors, est-ce que je peux me mettre sur l'anneau? Est-ce que je peux me mettre sur l'anneau? J'espère. Attendez, c'est pas un piège. Oh, j'ai flippé. Bon, faut aller où, là? On va aller sur le rouge, je pense. Il y a les petites étoiles. Je sais pas si c'est de l'argent. Non, je pense pas, c'est de la déco. Oh, c'est loin. C'est très loin. Je l'aurai pas. Je reviens en arrière. Mais j'ai peut-être pas le choix. J'ai pas le choix. Est-ce qu'il faut pas viser sur les petits nuages sur la gauche? Non. Bon, bah allez, on retente le rouge. Au pire, je peux me téléporter si je me rate. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Est-ce que si on passe là-dedans, ça nous redonne un boost? J'ai l'impression que ça m'a redonné des sauts. Attendez, mais me dites pas que... Non, ça m'a pas redonné de sauts. Par contre, on a réussi, ça c'est cool. Ok, hop, on se met sur l'étoile. Donnez-moi un boost à la Mario Kart. Non, on a rien du tout. Bon, est-ce qu'on peut pas aller directement sur la lune? On va tenter le rose là. Ou au pire le orange, non. On va tenter le rose, on est parti de ce côté là. Allez, ça va le faire, normalement ça va le faire. Boum, et dernier saut. Ah, c'est bon, ça va passer. Ok, parfait. Bon, maintenant, le blanc. J'imagine. C'est parti. Ok, et on va pouvoir enfin monter sur les planètes qui bougent. Enfin, les trucs qui bougent là. Je sais pas trop ce que c'est. Des demi-œufs. On va voir ce que ça donne. Ah, il va falloir se taper les petites étoiles. Oh, je suis qu'à 11%. Ah ouais, c'est la zone la plus haute qu'on ait eue depuis le début, là, clairement. Bon, évidemment, ça va se... C'est de plus en plus, hein, comme depuis le début, je pense. Sauf qu'on le remarquait pas. Là on le remarque tellement qu'il est haut. Alors, attends, parce que je comprends pas trop où elles vont. Alors, ok, elle va m'amener où? Tu vas m'amener où, là? Fais pas de bêtises. Ok, tu m'amènes au centre. On peut monter sur l'étoile, j'imagine. Étoile... Non! Ça sert à rien, je pense, de monter sur l'étoile, parce que... Ah, il y a un coffre fort, par contre, ça, on prend. 24, mais en fait, il faut aller absolument sur cette planète-là, je pense. Donc, allez, on le tente. Ça va le faire par rapport à l'étoile, normalement. On est tellement haut. Boum! Parfait. Allez, go. On va aller sur celle-ci. Elle est pas loin. Tac, 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 tac. Parfait. On est 4. Non! Pourquoi? Pourquoi? Cet anneau, on peut passer au travers. Waouh. Ok, celui-là, ça va. Bon, on a dit pas d'anneau. Plus d'anneau. C'est fini. Je me suis fait avoir une fois. On n'ira plus. En plus, il est rouge. Il aurait pu me laisser passer. Enfin, il m'a laissé passer. C'est ça le problème. Allez, go. L'étoile, déjà, c'est pas mal. Et... Bam. Ok. Alors, j'espère que la planète tout entière n'est pas transparente. Et hop là. Enfin, transparente. Non opaque, on va dire. C'est bon. Parfait, on passe pas à travers. Allez, on prend les coffres tant qu'on y est. Et maintenant, faut aller... Ok, je crois qu'il faut viser l'étoile juste au-dessus de notre tête. On a pas trop le choix. Hein. Tac, on peut tenter la lune, mais non, elle reste encore un peu trop loin. Alors, c'est parti. Tac, 3, 2, 1. Ok. Non, 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 non. C'est pas vrai. Je croyais que j'ai... Non. Mais attendez, comment je fais? Attendez, parce que ça me paraît vraiment impossible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sauter juste en restant à la verticale. Comme ça, je me déplace pas et on pourra retomber ici. Mais on va voir si déjà, on peut atteindre au moins la hauteur de l'étoile. Ah oh. Mais quoi? Mais je peux pas, en fait. Je ne peux pas. Je vais retenter, mais je vais rester dessus. Je vais me déplacer, voir. J'ai à peine la hauteur. Je ne peux pas y aller, les amis. C'est pas possible, c'est pas par là. Et j'ai pas d'autre choix, en fait. J'ai pas d'autre choix. Donc ça veut dire qu'il faut que je change d'aile, en fait. L'aile nous donne un peu plus de hauteur quand on saute. C'est pas possible. Tac. Regardez, je peux pas. Alors, allons acheter des nouvelles ailes, voir éventuellement si ça fonctionne. Mais pour moi, ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment les sauts qui font tout, hein. Allez, on va voir ça. Tac, on prend celle-ci. Yep. Est-ce que je saute plus haut? Je sais pas si je saute plus haut. Bon, allez, dernière tentative. Mais ça me paraît impossible, les amis. J'ai essayé vraiment plusieurs fois d'y avoir accès. Et si c'est bon, c'est bon. Pas de problème. C'est fait. Ok, alors celle-là, au moins, elle me paraît simple. Alors, je sais pas ce qui a changé. À mon avis, c'est vraiment le timing de mes sauts qui doit être vraiment millimétré. Alors, est-ce que je peux aller sur l'anneau, là, ou pas? Eh, si on peut aller sur la planète, autant y aller. Oui, largement. Ok, on est bien, les amis. On est à 40% quasiment de cette zone-là. Ok, on n'a pas le choix. On est obligé d'aller sur l'étoile. On va pas prendre de risque. On va vraiment faire étape par étape. On va pas essayer d'en sauter. On y va. Tac. On saute pas. On n'en saute pas. Ici, allez, on saute. Allez, on peut aller jusqu'au truc bleu. Jusqu'au truc bleu. Là, faut pas tomber, hein, parce que... Le coup de l'étoile, là, c'est vraiment compliqué, hein. J'ai réussi qu'une fois sur 6 tentatives, je crois, 6 ou 7. Et à chaque fois, pour remonter, ça prend une plombe. Alors, autant vous dire, il faut pas se rater maintenant. 50%. Alors,
Tentons, je peux aller chercher l'étoile, je pense. Mais on va pas le tenter. On va prendre ce petit bout de planète. Tac. Ensuite, on va aller sur la suivante. Les amis, on y est presque. Hop là. Parfait. Waouh. Il y a tout le système solaire. Et peu importe. Ce qui m'importe, c'est d'arriver sur... C'est quoi qu'il y a tout là-haut? L'île cosmique. On y va. Alors là, j'imagine que les anneaux, ils sont complètement... alors, c'est transparent. Hop, on peut valider ici. Parfait. Alors là, je peux monter directement dessus. Oui, largement, il est juste là-dessus. Regardez. Hop. Parfait. Ok. Faut aller où maintenant? Faut aller sur l'étoile qui tourne là. Waouh. Ok, c'est complexe là. Bon, on va faire le tour en passant par, par là. Je pense que j'ai accès à la planète. Elle est loin. Ouh là là. Non, ça va le faire. Ça va le faire. Alors, par contre, il faut réussir à monter sur, l'étoile qui est en train de tourner là. Je sais pas où elle est partie. Ah non, ça va, elle reste devant en fait. Et après, il faut réussir à monter sur les étoiles. Est-ce que je peux aller sur le soleil, vous pensez? Je pense pas. Il est un peu plus loin que cette petite, ce petit bout rouge là. Oh non, 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 non. Dommage. Oh, c'est pas grave. Bon, on tente de la voir encore ou pas? On va tenter de la voir, elle va revenir là. Après, peut-être qu'il faut pas. Non, non, en fait, ça sert à... Si, il faut aller sur elle pour aller au milieu. Ah oui, ça sert à rien de faire le tour là. Ok. Il faut réussir à aller sur elle. Allez, c'est parti. Hop. Hop. C'est tellement complexe. C'est tellement complexe. Quoique. Let's go! Du premier coup! Enfin! Enfin, heureusement, surtout. Allez, go. Là, maintenant, faut pas se rater. On peut directement sauter sur les étoiles. Comme ça, on est un peu plus haut que si on était sur le soleil. Et hop. C'est bon, les amis. Il reste plus que 30% pour y avoir accès. Hop là. Alors là, vraiment, je pense qu'on a fait le plus dur. On a fait le plus dur avec l'étoile qui bouge et l'étoile de tout à l'heure qui était quasi impossible à atteindre. Par contre, là, j'ai sauté un peu tôt. Je ne sais pas si c'était le bon choix. Dites-moi que les anneaux sont durs. Hop là, pas besoin. C'est passé. Ouf, c'était très limite. Ah, il faut aller où maintenant? Ah, what? Non. Attendez, je vois pas. Il faut aller sur les petites étoiles maintenant. Mais quoi? Je suis pas sûr, hein. Oh là là, il faut être sûr là. Ah non, je l'avais pas vu, regardez, il y en a une autre juste là qui va nous donner accès au nuage, j'imagine. Allez, par contre elle est loin, mais ça va. Ça va le faire, regardez. Il me reste 5 sauts, j'ai fait plus de la moitié, ça va passer. Ok, on confirme, on va arriver à une hauteur de 10 000 là, d'ici peu. Maintenant on peut aller où? Ah, il faut aller sur celle-là là. Waouh, c'est chaud encore, hein. Allez, on y va. Ah, il y en a une petite intermédiaire. Allez, j'espère que c'est ça. Si c'est bon, ça va le faire. Wow, heureusement qu'il fallait pas aller sur la verte, j'aurais pas pu. Allez go, on confirme, maintenant on peut aller sur la verte. Hop, en récupérant notre saut évidemment. 92%. On y est presque, il faut que j'arrive. Si je peux, à la limite tricher pour avoir le téléporteur. Allez, peut-être que je vais l'avoir comme ça. Il faut qu'on atteigne les 100%. Et c'est bon. On l'a eu, non on l'a pas eu. Oh, je sais pas si j'ai débloqué le téléporteur. Bon c'est pas grave, de toute façon on va essayer de monter. Alors il y a une... Oh, on peut monter sur l'étoile filante là. C'est ça qu'il faut faire? Je sais pas. Attendez, je vois pas ce qu'il faut faire là. Ah, il faut aller sur le nuage bleu peut-être. Alors j'essaie de pas trop avancer, comme ça je retombe sur mes potes. Non, on peut pas aller sur l'étoile filante, elle est beaucoup trop haute. Ah, il faut aller là-dessus. Mais non, c'est là où on était. Ah, il fallait y rester alors. Ah non, on était sur celle d'en dessous. Ok. Nous on va sur celle-ci. Tac. Alors il y a la lune qui est là. 300. Tac. Oh, on aurait pu y aller directement en fait. Yep. Par la petite. La même qu'elle. Voilà. Parfait! Allez, là je pense qu'on peut tenter directement l'île et on va pouvoir la débloquer. Let's go! Eh ben c'était vraiment galère les amis, c'est bon, on y est. On prend le coffre, et alors comment ça se passe là? Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, on peut atteindre les 10 000. Ah d'accord, attendez les amis. On a vraiment la dernière île. On ne peut pas monter plus haut. Et on a accès à un magnifique coucher ou lever de soleil. C'est la même chose. Hop là, quand on est là-haut, c'est la même chose. Et hop là, c'est parti. Et attention, on est au plus haut. On est au plus haut. Et il y a le petit bleu là-bas aussi. Et c'est bon. Let's go! Combien ça coûte maintenant les coffres ici? 240, comme en bas. Et c'est pas énorme. Et donc ça y est, on a enfin terminé Wing Simulator. C'est un des simulateurs qui m'a pris le plus de temps vu qu'on est à quasiment 2 heures. Mais en fait, il y avait très peu de Game Pass. En fait, il y avait pas grand chose. À part le illimité, mais tout était buggé. Mais bref, les amis, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir une autre vidéo qui s'affiche sur votre écran pour aller voir une autre vidéo sur ma chaîne. C'était Redkill et bye tout le monde!